SOS Sahel est une ONG internationale née au Sénégal en 1976. Initiée par le président Senghor, son objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur toute la bande sahélienne du Sénégal à Djibouti. Au Sahel, l'agriculture est la principale source de revenus pour plus de 90% de la population, alors que la sécheresse constitue une véritable problématique. Au Sénégal, par exemple, plus précisément au nord-ouest du pays, se situe la zone côtière des Niayes. Cette zone fournit 70 à 80% des fruits et légumes du Sénégal, dans un environnement particulièrement fragile. Menacée par le risque d'ensablement et la pression des activités humaines, cette région subit une diminution progressive de son couvert végétal et des eaux de surface. Pour protéger les cuvettes maraîchères des Niayes, le gouvernement sénégalais a investi dès les années 50 dans le reboisement de cette zone. Une bande forestière de filao d'environ 150 km de long sur 400 m de large, de Dakar à Saint-Louis, a ainsi été plantée dans le but de protéger les terres agricoles contre le déplacement des dunes. Grâce au soutien du groupe Accor, SOSL s'est engagé dès 2009 aux côtés des producteurs de la zone pour réintroduire l'arbre au sein des exploitations agricoles afin de protéger et restaurer les terres et ainsi développer la production. Pour assurer des impacts à long terme, SOS Sahel soutient les organisations et les unions de producteurs. Ce sont eux les acteurs du changement.